EcoTV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. EcoTV, avec le soutien de Omnicane Integrating Energies. EcoTV, avec la participation du Mead Commission et du Fonds Maurice Île Durable pour une île Maurice où il fait bon vivre. Coucou, bienvenue dans Till Émission Écologique. Aujourd'hui, c'est geste écologique numéro 5. Comment faire pour arroser le jardin et télé la pluie? Dépendant grandeur au jardin, l'arrosage, c'est un gros consommateur de l'eau à pas mal les autres utilisations domestiques. Et comme vous connaissez, le stock de l'eau nationale est bien limité, surtout en période de sécheresse. Solution, les types meilleurs qui en place n'utilisent de l'eau robinet, nous capables d'installer un système pour ramasser de l'eau la pluie et utiliser l'eau pour arroser nos jardins et nos bonnes légumes de potager. Et ce qui vous connaît, qui de l'eau la pluie, pas contenir ni chlore ni fluor, donc les meilleurs et plus nourrissants pour Urban Plant. Alors, à nous profiter, parce que non seulement il est gratuit, nous gagnons en abondance pour nous. Comment nous capables de stocker de l'eau la pluie? Une façon simple, c'est pour d'eau qui coule des pieds ou dalle. Vous connectez l'eau avec un tank d'eau, et voilà. Un dernier petit conseil avant de m'en aller, ne faites pas nous arroser quand le soleil peut battre fort en plein la journée, parce que le soleil encourage l'évaporation est capable aussi de briller les plantes avec soc thermique. Fais-les relax, soit bientôt le matin ou juste avant coucher soleil. C'est fini pour aujourd'hui. Prochaine émission, toujours dans Ouzordin, nous vous guettons comment ban engrais et pesticides chimiques bien pas bon pour l'environnement. Ciao! EcoTV, votre émission écologique présentée par la MCB à travers l'initiative 175 en faveur du développement durable. EcoTV, avec le soutien de Omnicane Integrating Energies. EcoTV, avec la participation du Mead Commission et du Fonds Maurice Île Durable pour une île Maurice où il fait bon vivre.